L'actrice de 16 ans, connue pour ses rôles dans des séries britanniques, est morte le 7 avril dernier. Les causes de sa disparition n'ont pas été communiquées. Maya Le Sien-Elor, actrice britannique de programmes pour enfants, est morte le 7 avril à l'âge de 16 ans. Comme le rapporte Le Guardian, les causes de sa mort sont encore inconnues. Son agent, IG Management, explique simplement que l'adolescence s'est effondrée. Née en 2002 en Angleterre, Maya Le Sien-Elor a entamé sa carrière en 2004, dans la série Absolutely Fabulous. Elle est devenue célèbre pour ses rôles dans la série Million Between et la série musicale Almost Never, toutes les deux diffusées par la CBBC, Children's CBBC. Elle était également apparue dans Cloud Atlas, des Sœurs Wachowski, aux côtés d'Alberry et Coman. C'est avec la plus profonde des peines que nous devons annoncer que le dimanche 7 avril, Maya Le Sien-Elor, très malheureusement, morte, a tweeté son agence mercredi. Maya Le Sien était un grand talent et une part importante d'IG, et elle nous manquera beaucoup. Notre amour et nos pensées vont vers sa famille et ses amis durant cette période difficile. Pointe-t-elle à tant briller sur nos écrans. Le Guardian rapporte également les propos d'Alice Webb, directrice de CBBC. Elle a tant brillé sur nos écrans. Et il est difficile de croire qu'elle ne fera plus partie de notre voyage à partir de maintenant. Elle était très populaire auprès de notre audience. C'était une actrice, une chanteuse et une danseuse très talentueuse, et un vrai modèle pour ces jeunes femmes. Ses partenaires à l'écran ont été nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Notamment Millie, l'actrice principale de Millie in Between. La douleur causée par sa disparition est terrible. Maya et moi avons grandi ensemble au cours des 5 dernières années et avions une relation très proche. Je chérirai toujours notre amitié et les moments que nous avons passés ensemble.